Second livre de confinement. Une nouvelle d'Honoré de Balzac. L'élixir de longue vie, paru en 1830. Au travers de ce court récit d'environ 30 pages, Balzac nous emmène du côté du genre fantastique. Une histoire rythmée, très surprenante, se terminant en apothéose. Ce texte nous interroge sur la vie, la mort, l'éternité. Si l'on possédait le secret de la vie éternelle, qu'en ferait-on ?